on le voit bien, le monde vit des moments difficiles. On assiste à une trop forte financiarisation de l'économie. Je pense qu'il faut penser l'économie réelle. On assiste aussi à de graves problématiques environnementales, le réchauffement climatique, tout ça qui peut menacer aussi le développement économique. Et au niveau de notre pays, la Martinique, avec cette déclinaison de réalité très difficile pour les entreprises qui ont d'énormes problèmes dans le financement de leur développement, dans la question du règlement aussi de leurs factures. Nous disons très clairement que nous voulons affirmer une volonté farouche de défendre l'entreprise martiniquaise, notamment les artisans, les petites, les très petites, les moyennes entreprises, en faisant tout au niveau des marchés publics, par exemple, pour qu'elles soient prioritaires. On ne trouve pas normal que sur des grands chantiers répondant à des besoins d'équipement du pays, que l'on fasse appel à de grandes sociétés transnationales, qui après d'ailleurs sous-traitent en bout de chaîne pour des entreprises qui se retrouvent évidemment en difficulté. Donc donner la priorité aux entreprises par le système d'allotissement des marchés, aussi en les accompagnant dans leur structuration en filière, en mettant notamment en place, sur le modèle coopératif, une centrale d'achat, par exemple, de la matière première. Nous croyons que c'est fondamental. Après, sur la question aussi des délais de paiement, il faut une volonté. Et ce que nous allons proposer, c'est que l'Assemblée de Martinique prenne très tôt une délibération dans laquelle va donner des priorités en cas de trésorerie tendue, priorité qui sera donnée, bien sûr, après un certain nombre de postes de dépenses obligatoires, mais qui va donner la priorité aux entreprises martiniquaises. Donc c'est cette volonté farouche. Après, nous disons aussi que la question de la Martinique, c'est la question de son attractivité. À travers la question du chlordécone, on a donné une image catastrophique de notre pays. Donc il s'agit par exemple de mettre en place des filières zéro chlordécone en agriculture, de vendre l'image d'un pays, entre guillemets vendre, d'un pays propre, d'un pays sain, d'un pays qui justement maximise, optimise son potentiel en matière de biodiversité, en matière de sources d'énergie renouvelable, etc. Nous avons de quoi faire à condition que des choix très clairs soient faits pour prioriser, je veux dire, les entreprises martiniquaises. Sur la question du tourisme, par exemple, nous posons la question de savoir est-ce qu'on doit s'arrêter au système classico-classique du tourisme avec les grands complexes hôteliers. Est-ce qu'on ne devrait pas plus valoriser notre nature, des structures d'hébergement différentes, l'écotourisme, le tourisme patrimonial basé sur notre, justement, contrairement à ce qui se dit au niveau d'un certain nombre de firmes touristiques internationales, basé sur notre capacité d'être hospitalier et d'accueillir. Je crois que tout ça fait que nous avons du potentiel. Après, se pose aussi la question de l'intervention de la collectivité à travers un partenariat public-privé sur l'innovation et la recherche, en mettant en place des clusters, des savoir-faire et des techniques que nous pourrons exporter dans notre environnement caribéen, par exemple. Donc, sur la question de la biodiversité, de la transition écologique, la question des risques naturels, il y a beaucoup à faire aussi et ça nous paraît être des sources intéressantes. Après, il y a la question aussi de l'emploi et de la possibilité que nous pouvons avoir d'accompagner des entreprises pour développer l'apprentissage et la formation d'alternance, parce qu'on aura besoin de jeunes Martiniquais formés, parce que l'un des enjeux aussi auxquels nous sommes confrontés, c'est quand même le défi, si j'ose dire, démographique. On a une population qui vieillit. Alors, le vieillissement n'est pas pour nous un handicap. Au contraire, ça peut être une source de développement économique, de richesse et d'emploi à travers ce qu'on appelle la silver economy, qui peut trouver sa déclinaison aussi sur le plan touristique, toujours parce qu'on a cette capacité intéressante d'accueil et cette chaleur humaine qui fait justement l'une des forces de notre identité. Notre pays est confronté à un problème d'hémorragie, de départ de sa jeunesse, hein, qui n'arrête pas. Je crois qu'il faut redonner confiance aux Martiniquaises et aux Martiniquais, redonner confiance aux jeunes, mais c'est en développant notre appareil de production. C'est en favorisant l'innovation. C'est aussi en ayant une politique universitaire très claire, en mettant en place, par exemple, des structures post-bac, c'est-à-dire donner à notre jeunesse la possibilité de se former sur place, même si elle part de temps en temps, mais pour pouvoir revenir, parce qu'on a besoin de cette jeunesse-là pour développer le pays, pour développer les entreprises. Il faut accompagner les porteurs de projets, notamment les jeunes. Alors, il y a des dispositifs qui existent, mais il faut croire, il faut les évaluer, il faut croire qu'elles manquent en efficience et en efficacité, et reconsidérer les choses pour accompagner de façon efficace tous les porteurs de projets, mais mettre en place, j'ai parlé tout à l'heure de l'apprentissage, de la formation d'alternance, des structures post-bac, de la politique universitaire, tout ça pour former des Martiniquais qui sont l'avenir du pays, bien évidemment.
Après, ne pas négliger aussi la dimension de diaspora qu'a notre pays, à travers la communauté de Martiniquais qui vivent à l'extérieur. Ça peut constituer des débouchés intéressants pour nous aussi. Et puis, dernière chose, c'est on a une vision trop terrienne ou terrestre du pays. La Martinique est plus grande que la Suisse à travers sa mer. Il y a à découvrir, explorer tout ce que la mer peut nous offrir en biodiversité, en ressources, en énergie renouvelable. Bref, la mer est un espace que nous avons exploré, mais pour ça, il faut pouvoir discuter avec l'État français, sur la question de la zone exclusive, la zone économique exclusive, etc. Bref, sur aussi les compétences et les moyens, les outils que nous mettons en place pour gérer notre espace maritime. Je crois que nous avons la volonté de faire, nous avons la volonté de servir d'abord le peuple martiniquais fondamentalement. Et nous sommes attachés à cette idée de peuple. Nous sommes un peuple et nous l'affirmons. Que l'on soit pour l'indépendance, l'autonomie ou la départementalisation, on peut se mettre d'accord sur l'idée que nous sommes un peuple. D'ailleurs, notion qui a disparu de la Constitution française, serait bien qu'on la restitue quelque part. Et à partir de cette idée de peuple, eh bien, on a besoin de notre appareil de production, notre appareil productif, et tout faire pour que cet appareil-là qui s'étiole ne disparaisse pas. Parce que si on n'a pas de base matérielle, si on ne produit pas, on ne peut pas, on sera menacé en tant que peuple. D'où l'importance et l'intérêt que revêt pour nous l'entreprise martiniquaise. Alors reste à définir ce qu'est une entreprise martiniquaise. Et justement parce que nous savons vous écouter, nous sommes partisans de la démocratie participative, nous n'avons pas la vérité, nous n'avons pas la science infuse. Nous comptons sur votre expertise pour nous aider à trouver des critères de définition de ce qu'est l'entreprise martiniquaise. Nous disons que nous ne sommes pas une alternance, nous sommes une alternative. Nous avons un projet alternatif qui porte une dynamique. Et nous disons bien que cette dynamique doit marcher sur ses deux pieds. Nous aurons des élus qui utiliseront tous les leviers possibles à travers la collectivité territoriale de Martinique, la CTM. Mais nous croyons aussi que le deuxième pied de notre dynamique, c'est la société civile, c'est le peuple avec son génie créateur. Eh bien, c'est les chefs d'entreprise, c'est les syndicalistes, c'est les responsables d'associations, c'est les encadrants de jeunes, c'est les éducateurs, c'est le personnel des fonctions publiques. Bref, c'est toutes les Martiniquaises et tous les Martiniquais. C'est pour ça que nous disons, nous sommes ce peuple-là, et nous avons dit qu'il y a des urgences, il faut savoir se rassembler, faire peuple autour de valeurs, bien sûr, parce que nous prenons aussi l'idée d'une entreprise citoyenne. Donc faire peuple pour, comme nous avons dit, porter monnaie, c'est-à-dire agir pour régler les grandes problématiques auxquelles notre pays et notre peuple est confronté.